Donc, ce webinaire est enregistré. Je vous communiquerai le lien replay. Ce replay sera disponible sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux du Fabric et de Recatech, sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, etc. Vous avez un chat pour poser des questions, donc n'hésitez pas à poser des questions. Charles-Alexandre se fera un plaisir de les remonter, de les poser à nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, rapidement, je vais juste me présenter et présenter la Technopole avant de passer la parole à Charles-Alexandre, qui lui-même passera la parole aux intervenants. Donc, moi, je suis Laetitia Bussard, je suis la responsable marketing et communication de la Technopole Eureka Tech, donc c'est la Technopole d'Angoulême et Cognac. Donc nous, nous sommes une Technopole, en fait, notre mission principale, c'est d'accompagner les porteurs de projets innovants sur le territoire et d'animer l'écosystème territorial autour de l'innovation. Alors, en détail, donc, pour cet accompagnement de projets innovants, on a trois parcours pour les porteurs de projets, les startups, les PME, les entreprises. Un parcours incubateur, un parcours développement et un parcours croissance. On est là aussi en soutien pour des trois filières d'excellence sur le territoire, les industries culturelles et créatives, l'industrie du futur, et le secteur packaging, luxe et spiritueux avec toute la région de Cognac. On est très fortement engagé sur la sensibilisation et la culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Nous avons plusieurs programmes à destination des scolaires, des étudiants, des femmes, mais aussi des grands comptes, des PME et des TPE qui ont besoin souvent de nous pour les accompagner dans leur démarche. Voilà, donc on a plusieurs programmes qui sont disponibles. Notamment cette année, on a sorti un nouveau programme pour détecter des projets à impact positif pour le territoire, qui s'appelle le Challenge Positif. Je vous encourage à aller voir sur notre site internet recatech.fr pour avoir plus d'informations. Voilà, vous pouvez justement, alors on a un site internet recatech.fr et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube. Vous avez aussi tous nos webinaires qui sont archivés sur YouTube. Donc voilà pour moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je passe la parole à Charles-Alexandre qui va être le modérateur de ce webinaire. Moi, je vais m'effacer et puis je reviendrai à la fin pour faire une petite conclusion. Donc, n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Hein. Merci et bon webinaire. Merci beaucoup, Laetitia. Moi, je me présente. Je m'appelle Charles-Alexandre Delesta. Je suis chercheur postdoctorant au Fabric de l'Université de Poitiers et responsable de la partie lab. Donc, en quelques mots, le Fabric, c'est un centre d'expertise interdisciplinaire de l'Université de Poitiers, qui regroupe plusieurs disciplines, que ce soit les arts numériques, dont on va parler amplement ce soir, mais également les sciences de l'information et de la communication, les sciences de gestion, les sciences juridiques, les sciences informatiques et l'économie. C'est une équipe qui travaille sur des fonds CPER, FEDER, obtenus, et ça, on en reparlera un petit peu. Je pense Frédéric et Jean-Marie qui font partie de l'équipe. Et dans le cadre des missions de recherche du Fabric, nous organisons également, donc, en partenariat avec la Technopole Eureka Tech, différents workshops, séminaires et webconférences comme celles que vous êtes en train de regarder actuellement. Donc pour ce soir, on va parler de collaboration artistique sur le web. Demander aux participants de se présenter en une minute un petit peu à peu près, histoire qu'on ait le temps de développer les sujets un petit peu après. Et je vais commencer dans l'ordre alphabétique. Donc Frédéric Curien. Frédéric, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, d'accord. Ben, je suis Frédéric Curien, donc je suis professeur à l'ESI, ça a été dit au départ. En même temps, je suis artiste et je travaille plutôt sur les questions on pourrait dire, des architectures de mémoire en art. Mon travail aussi est axé sur le son, sur les créations sonores. Et par ailleurs, j'ai une activité de chercheur, hein, tu viens de le dire, Alexandre, donc je collabore, je suis chercheur associé au Fabric.
sur la dimension plutôt artistique, bien sûr. Et j'en parlais tout à l'heure, d'ailleurs, je parlerai un petit peu des projets que nous menons avec le Fabric actuellement. Ok, merci beaucoup Frédéric. On continue dans l'alphabétique. Jean-Marie ? Oui, donc bonjour à tout le monde. Donc, je suis donc artiste, commissaire d'exposition et professeur des universités donc à l'École des arts de la Sorbonne à Paris 1. Auparavant, j'ai enseigné aussi à l'Université Paris 8 et puis bien avant encore à l'ENSBA à Paris, à l'ESA d'Amiens et à l'ESI, site d'Angoulême et de Poitiers, hein, qui sont toutes trois des écoles d'art. J'ai exposé mes œuvres et mes recherches en France, que ce soit au Confort Moderne, au Frénois, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, à Faux Mouvement, par exemple en Belgique, notamment, puisque j'ai aussi fondé une biennale qui s'appelle la Biennale de Tate, en Autriche, par exemple, au Festival Ars Electronica, au Canada, hein, ISEA en 1995, par exemple, au Japon, la Biennale ICC, pour ceux qui s'intéressent de près à l'actualité des arts électroniques. Sinon, mon travail théorique et plastique interroge les questions fondamentales de l'interactivité de ces figures qui en organisent les interactions. J'ai récemment dirigé la publication d'ouvrages Cinéma, Interactivité et Société en 2013. Plus récemment encore, un livre qui s'appelle Architecture de mémoire, qui est sorti au Présurel en 2019. Ainsi, toujours en 2019, que le catalogue de l'exposition Mémoire vive, From Nemtune Peg to Slider Slam, qui est sorti aux éditions Lanoux en 2019. Je suis aussi membre du collectif d'artistes Slider Slam avec Frédéric Curien. C'est un collectif qui prend en compte un territoire esthétique émergent autour des images animées, de la mémoire, de l'archivage et du numérique. Une démarche qui s'étend actuellement aux formes contemporaines de représentation et de navigation dans des collections audiovisuelles. Voilà. Et on a un site, hein, www.sliderslam.com. D'accord, merci, merci Jean-Marie. On mettra le lien, bien évidemment, dans les communications sur les réseaux sociaux. Donc, je vais passer la parole pour se présenter également rapidement à Don Foresta. Don ? Oui. Quand je suis venu à Paris il y a 50 ans, je suis venu comme directeur de Centre culturel américain, où j'ai quand même présenté pas mal des choses dans les soi-disant nouvelles technologies à l'époque, qui veut dire l'art vidéo principalement. Après, j'ai quitté le service diplomatique pour rester à Paris. Et à ce moment-là, j'ai créé le département de l'art vidéo à l'ENSAD. Et j'étais aussi prof à Cergy, Beaux-Arts de Cergy. Bon, bien sûr, maintenant, je suis retraité. Mais depuis très, très longtemps, je travaille sur les questions et les relations entre art et science et art et technologie. Et pour le réseau, ça fait cette année 40 ans où je travaille sur le réseau comme un espace de création artistique et collaboration. Merci Don. Et enfin, Benoît Lahose. Benoît. Alors moi, je suis artiste. Majoritairement, je travaille dans le domaine du spectacle vivant sur les questions qui me passionnent, qui sont les questions de présence, et les questions de territoire et de glissement de territoire, principalement parce que moi-même, je n'arrive pas à me positionner dans un endroit ou un autre, mais j'ai plusieurs pratiques, donc je suis à la fois metteur en scène, comédien, je travaille beaucoup avec l'image, je travaille avec l'image avec d'autres, pour d'autres, et puisque l'image aujourd'hui n'est plus qu'un assemblage de chiffres compréhensibles par l'ordinateur, du coup, je développe des outils pour travailler principalement l'image. Très bien, merci. Et j'étais l'étudiant de Don au Beaux-Arts de Cergy. D'accord. Ceci explique cela. Donc merci à vous quatre de vous être présentés. Juste avant qu'on commence, je rappelle aux participants, s'ils veulent poser des questions que je puisse envoyer aux intervenants, n'hésitez pas à utiliser le chat ou l'onglet questions qui est dédié à cet effet. Donc on va démarrer avec Don, qui je crois va nous parler un petit peu de l'histoire de la création de Marcel, notamment en partant de McLuhan et Interface. Donc, Don, je t'en prie. Oui, OK.
bon, dans ma recherche dans l'art depuis très très longtemps, j'ai compris que l'interactivité était un leitmotiv de l'art du XXe siècle, dans le sens de Duchamp, qui a toujours déclaré que l'art avait deux pôles, il y avait l'artiste qui a créé et le spectateur qui le complète. Et les artistes pendant tout le XXe siècle ont toujours essayé d'engager le public dans leurs œuvres. Ça, c'est une pratique qu'on voit depuis très très longtemps, depuis le début du XXe siècle, avec les technologies très très primitives et bien sûr avec l'évolution de la technologie, cette possibilité est devenue de plus en plus possible. Avec l'arrivée de réseaux, on avait finalement un moyen technique pour expérimenter, au fond, cette notion de l'interactivité. Et bon, pour moi, dans toutes les formes de communication, il y a toujours une place pour l'art. Il y a toujours une partie de ces nouvelles formes de communication pour l'artiste, un espace pour l'artiste pour expérimenter. En même temps, de citer McLuhan, on connaît tous cette phrase « le médium et le message » ou cette variation que le médium est le massage, qui veut dire simplement que tout moyen de communication influence profondément le contenu du message et la perception du message. Et si le contenu est faible, c'est la technologie qui devient le message, le contenu. Et c'est pour ça, chez les artistes, chaque fois quand il y avait, disons, la conquête d'une autre technologie de communication, il y avait toujours une lutte entre cette tendance que la technologie devient le plus parlante ou c'est l'œuvre même de l'artiste. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, exemple, j'utilise toujours l'exemple que si la culture est absente du commerce, c'est le commerce qui devient la culture. Donc, dans ce cas, quand j'ai démarré mes expériences il y a 40 ans ce mois-ci, c'était février en 81, cette première expérience avec le réseau, c'était une expérience avec un échange téléphonique entre le Centre américain à Paris, où j'étais responsable pour le projet des médias, et le Centre pour les études visuelles avancées de MIT. Et on a échangé des images par téléphone, les images fixes, qui étaient la seule possibilité qui existait à l'époque, avec une technologie extrêmement ancienne et complètement dépassée, qui s'appelle Slow Scan. Bon, on peut montrer 2 minutes de cette expérience sans le son et je vais expliquer ce que vous allez voir. Dans ce cas, si on peut passer à cette bande qui s'appelle Interface, maintenant, je peux expliquer ce que nous sommes en train de faire. Bon, j'ai été contacté par le directeur de ce centre le MIT, Otto Pinet, qui m'a demandé si je voulais participer dans cet échange d'images. Et on a monté cet échange en prenant les photos de presse de chaque président, Giscard d'Estaing et Ronald Reagan. Et on a coupé les photos en 16 morceaux et on a envoyé par le système Slow Scan chacun de ces morceaux, qui allait collectionner dans l'échange un tas des parasites, tout dans la transmission. Et à la fin, on a créé un mural dans chaque ville. Vous voyez les morceaux de Giscard qu'on est en train de prendre un par un. Ça, c'est Aldo Tombolini, qui est un artiste américain avec lequel j'ai fait ça. Les photos étaient prises dans une image vidéo. L'image vidéo était transformée en son et le son était passé par un téléphone à la même machine à l'autre côté où c'était affiché ligne par ligne de balayage sur un écran et photographié. On a photographié ces images par un Polaroid négatif. On a tiré
l'image en grand. Et peu à peu, systématiquement, on a passé ces images pour créer le mural que vous avez vu là. Bon, cette expérience, et voilà le résultat de Giscard et de l'autre côté, chez nous, à Paris, Reagan. Bon, on peut arrêter là parce que ça, c'est beaucoup, beaucoup plus tard, cette image-là. Si vous pouvez arrêter là, oui. Bon, quand j'ai vu ça, j'étais très, très impressionné par cette possibilité d'expérimenter artistique avec un nouvel espace de communication. Et j'ai continué tout de suite, par exemple, en 82, l'année après, j'étais contacté par Georges Boudaille, qui était le directeur de Biennale de Paris, qui m'a dit que Reagan a coupé tout le financement pour la participation américaine dans les événements internationaux. Et est-ce que je pouvais imaginer une participation américaine dans la Biennale de Paris de cette année-là? Et finalement, on a monté tout un expo envoyé par 12 photographes américains et en échange, on a choisi deux photographes français pour envoyer des images dans l'autre sens et on a créé les petites expos partout avec le principal dans le palais de Tokyo à Paris où pendant 3 semaines, on a créé par photo, envoyé par téléphone, cette présence américaine à la Biennale. En 86, j'étais avec Roy Ascott et Tom Sherman. J'étais invité de faire un labo et une présentation, toute une section de la Biennale de Venise, où on a créé un labo de communication avec plusieurs éléments. Il y avait fax, texte, slow scan, Minitel. Et j'ai créé pour la première fois un réseau informatique avec les Mac et les modems. Et pendant tout ce temps-là, on a échangé des images. Encore une fois, c'est des images fixes, mais on a continué avec cette expérimentation pendant toute la Biennale de Venise de cette année-là. Après, j'étais engagé sur ce qu'on appelait le Café électronique international avec Kit Galloway et Sherry Rubinowitz en Californie. Nous étions le bureau à Paris. Et pendant très, très longtemps, on a continué de travailler toujours avec un échange des images fixes. On a fêté, par exemple, le 10e anniversaire de Cité des sciences à la Villette avec un échange entre Paris et le Japon. On a participé à Documenta, j'ai oublié le numéro, mais un Documenta avec la même chose avec l'équipe de Café électronique en Allemagne. Mais pendant ces 10 ans, c'était toujours une forme de cadavre exquise, qui veut dire image fixe. Et franchement, après 10 ans, je l'ai trouvé ennuyeux. Et c'était quelque chose qui était toujours la même chose, même que le sujet était différent. Bien sûr, la scène était différente, mais il y avait énormément d'échanges d'images fixes et je crois qu'on a quasiment épuisé toute possibilité dans le cadavre exquise, bien sûr venant des surréalistes. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut qu'on change, qu'on tente d'autres choses et on travaille avec les formes d'art qui sont par nature déjà interactives, qui veut dire performance. La musique, et on a fait le premier échange en musique entre Paris et Nice en 91. On a expérimenté avec la danse à partir de 93. Le théâtre, beaucoup, beaucoup plus récent. Mais dans tous les cas, bien sûr, il y avait le problème du débit. Est-ce qu'il y avait suffisamment de place pour faire les signaux nécessaires? Par exemple, quand on a fait notre projet avec la danse en 93, il n'y avait pas assez de débit. On a mis ensemble les danseurs, mais le moment qu'on a tenté d'ajouter les effets spéciaux, bien sûr, tout échange était arrêté. Il n'y avait pas suffisamment de débit
pour permettre cette forme d'expérience avec les danseurs, par exemple. Mais en même temps, il y avait l'arrivée en France de quelque chose qui a changé les données, qui était Numeris, qui veut dire que c'était vraiment le premier système téléphonique numérique, dont le nom Numeris. Et avec ça, on a commencé de combiner les lignes Numeris, plusieurs lignes à la fois, pour arriver à un débit où on pouvait quand même expérimenter un peu plus. Et on a travaillé avec la musique dans une façon un peu plus naturelle. Mais notre idée au début était toujours un travail interactif, un travail d'expérimentation entre artistes, toujours en interface avec un public, mais que l'espace de réseau était avant tout un lieu de création en commun. Et ça restait toujours depuis les débuts notre objectif. Ce n'était pas un espace de diffusion, c'était vraiment un espace de collaboration. Et bon, il y avait d'autres choses qui s'est présentées. Par exemple, j'étais demandé de faire une étude pour le Conseil de l'Europe sur ce nouvel espace de communication et la création artistique qui était suivie par une conférence organisée par la présidence tchèque, dont la présidence à Prague, encore avec le Conseil de l'Europe. C'était une conférence sur art et sciences qu'on a organisée en 1996. Et c'est à partir de ça qu'on a commencé de vraiment réfléchir sur l'avenir de la création artistique et le réseau interactif. J'ai organisé une série de conférences à Souillac, en Périgord, en 97, 18 et 2000. Tout ça était en collaboration avec l'UIT à Genève, l'Union internationale de télécommunications. Et on a créé un manifeste, comme tout mouvement artistique digne de son nom. Et on a créé le charte pour de Souillac pour art et industrie, qui était une proposition d'une collaboration entre les artistes travaillant avec le réseau et l'industrie de télécommunications. Tous ces documents sont disponibles sur mon site personnel, qui est donforesta.net. Vous pouvez voir ça vous-même, y compris une sélection des images fixes qu'on a échangé pendant tous ces événements que j'ai décrits, il y en avait beaucoup même, et ces images fixes qui sont intéressantes historiquement, artistiquement, on peut poser la question, mais quand même, c'était quelque chose qui était pour moi assez intéressant parce que j'ai appris beaucoup. J'ai appris les limitations du réseau. J'ai compris la difficulté de vraiment travailler en ligne et pendant les conférences de Souillac et pendant la création de manifeste, on a créé un certain nombre de projets concrets, y compris la création d'un réseau permanent qui est finalement devenu Marcel, qu'on a créé quelques années plus tard. Mais on a bien compris à l'époque, pour vraiment avoir un impact sur la société, sur l'évolution technologique, sur la création artistique de l'avenir, il fallait un réseau permanent. Et bon, on a présenté cette manifeste à Genève pendant la réunion de Télécom Europe à l'époque. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est juste un très, très petit extrait de cet événement. On va laisser le son parce que l'introduction peut vous expliquer ce qu'on a fait à ce moment-là. Dans ce cas, on peut passer cet événement qui s'appelle Stalactite 97. Il n'y a pas de son.
Mais si, mais il est très faible. Oui, il est très très faible en fait. Bon, je peux expliquer dans ce cas, j'ai laissé l'explication parce que c'était très très beau et bien dit. Ça, c'est musicien et inventeur Luc Martinez qui est en train de jouer les instruments qu'il a créés sur scène à Genève, à l'UIT. Et il y a Alex Griot qui est dans une caverne dans le sud de la France, pas trop loin de Grasse. Parce que notre idée était de créer un concert qu'on pouvait faire uniquement par le réseau. On ne pouvait pas amener, bien sûr, la caverne à Genève, et on ne pouvait pas, on peut arrêter là. On ne pouvait pas amener la caverne à Genève, et on ne pouvait pas amener un public dans la caverne dans le sud. Dans ce cas, le réseau était la seule façon de faire cet événement. Mais bon, pendant tout ce temps, bien sûr, on était en train de communiquer avec beaucoup de personnes dans le monde, toujours intéressées, parce qu'il y avait déjà pas mal de gens qui étaient en train de travailler avec le réseau comme espace artistique, qui était toujours très, très difficile, parce qu'à l'époque, la technologie était toujours très, très limitée. Pour cet événement-là, on a utilisé 5 lignes numériques. Il y en avait 3 pour la vidéo et 2 pour le son. Mais bon, le numérique a disparu et on était obligé de travailler avec IP à partir de là, qui veut dire qu'on a perdu un certain débit, mais qu'on a repris peu à peu dans le développement de ce nouvel espace de communication. Et bon, l'espace de communication est fondamental pour moi parce que c'est la notion d'un espace où la société se voit. C'est tous les moyens disponibles à un individu ou à une société où la société se voit, où il y a un accès à la réalité de cette société. Et si l'art a un impact sur cet espace, sur cette réalité, il fallait les moyens de le faire, un réseau permanent qui était la naissance de Marcel. Et Marcel est né en 2001 avec le dernier petit événement que je vais vous montrer là, qui s'appelle Candle, qui était un échange entre Londres et Toronto. C'est très court, c'est juste une minute qui vous donne une petite idée de cet événement. Encore, si on a un problème de son, je peux expliquer. Non, je crois qu'on n'entend pas le son, oui. Oui, il est très faible. Bon, à Londres, on avait quelqu'un qui jouait le tambour. Cette image-là est Toronto, c'est Tim Jackson qui est l'organisateur de ce côté-là. Et ce qu'ils ont eu, c'est une bougie, une candle. Et ils ont monté ça à tube, un tube sortant de haut-parleur devant la bougie, qui veut dire que ça fait bouger la bougie avec le tambour. Et c'est ça qu'on a reçu à Londres après. Bon, c'était un très, très petit truc, c'était quasiment gadget, mais c'était quand même assez parlant à l'époque. Parce que ça montrait qu'à un endroit, on avait une influence sur l'autre. Et bon, ça c'était le début de Marcel, mais ce que moi j'ai compris, deux choses assez importantes et fondamentales très très rapidement, que d'abord on aura eu jamais les outils nécessaires de l'industrie parce que ces outils-là pour eux n'étaient pas rentables. Dans ce cas, il fallait construire nous-mêmes nos outils, dont MAP. Que Benoît va expliquer en détail plus tard. La deuxième chose que j'ai appris était qu'il fallait apprendre comment faire de l'art dans le réseau, que ce n'était pas évident, que
la connexion, on ne s'arrête pas à la connexion. Il fallait apprendre comment amener tous les métiers de l'art dans ce nouvel espace et comment on peut adapter ces métiers aux nécessités de ce nouvel espace et quels outils sont nécessaires de faire. Dans ce cas, et fondamentalement, notre idée était de participer à l'évolution technique de cet espace par les besoins artistiques. Ce n'était pas simplement d'attendre ce que l'industrie allait nous proposer, mais de nous-mêmes créer les outils nécessaires pour arriver de faire des œuvres comme on voulait faire. Ce qui veut dire qu'il y a un côté d'apprentissage artistiquement, comme j'ai dit, les métiers de l'art, mais aussi techniquement pour fabriquer ensemble les outils nécessaires pour faire le travail. Et parce que j'ai démarré avec McLuhan, je vais arrêter avec une autre citation de McLuhan qui est tout à fait pertinente. C'est « L'artiste sérieux est le seul capable de rencontrer la technologie en toute impunité parce qu'il est expert conscient des changements de la perception. » Et voilà. Bien. Merci beaucoup, Don, pour cette présentation un petit peu historique d'où on est parti en termes de collaboration à distance, parce que bon, à l'époque, le projet dont vous avez parlé, Internet n'existait pas, en tout cas pas dans sa forme actuelle. On avait peut-être un peu d'ARPANET par-ci par-là, mais rien de ce qu'on connaît aujourd'hui, bien entendu. Et il est vrai que les différents projets que vous nous avez montrés étaient déjà, pour l'époque, des vraies révolutions technologiques en termes de transmission de son et d'image. Donc là, je pense qu'on va pouvoir faire intervenir Jean-Marie et Frédéric vis-à-vis de leur approche justement de travailler en réseau avec le Slider Labs. Fred, Jean-Marie, qui veut commencer, je vous laisse vous tuiler là-dessus. Donc, on va présenter un peu, on a préparé trois axes, je pense qu'on n'en utilisera que deux parce que la pédagogie mériterait vraiment une web conférence à elle seule. Donc, recherche et création, c'est deux axes en fait complémentaires pour nous, qui j'allais dire, alimentent finalement notre recherche par rapport à cette question du réseau, qui est vraiment une question importante pour nous, une question qu'il faut justement pas simplement aborder de manière théorique, mais vraiment par les outils, par la pratique. Et donc, c'est une dimension finalement, enfin, ces trois dimensions sont très... sont très importantes. Donc là, je vais quand même activer la vidéo. Voilà, donc cette recherche, elle se fait principalement autour, justement, actuellement, par le Fabric. Le Fabric, en fait, est d'ailleurs qui est financé, les fonds du Grand Angoulême nous ont beaucoup aidé, justement, pour déposer ces projets CPER FEDER. Donc il y a deux axes. Hein, il y a l'axe qui est Insect, en fait, qui est un axe qui est très important, mais je parlerai principalement de cette partie qui touche justement au réseau, qui est de faire un prototype de cartographie sémantique des industries culturelles et créatives en Nouvelle-Aquitaine. Principalement, l'idée, c'est justement, enfin, vous le voyez là, c'est d'explorer les technologies du web sémantique pour construire une modélisation finalement des relations dynamiques qu'ont l'ensemble de ces industries sur la région. Et pour cela, on extraira finalement, on va travailler à constituer une base de données qui sera alimentée par le web et qui sera visible sur le web, qui réunira finalement les acteurs qui voudront bien participer. D'ailleurs, là, je fais un appel là, maintenant justement à ceux qui pourraient nous être intéressés par cette cartographie et d'y figurer et puis de collaborer avec nous. Et justement, d'explorer des formes de représentation visuelle hein, et même, pourquoi pas, de les parcourir de manière... j'allais dire physique et avec d'autres types d'interfaces. Voilà, et donc là, c'est le sens du deuxième projet hein, numérique, hein, qui s'inscrit dans le numérique, qui est donc de travailler sur un projet d'immersion, dit immersion, en faisant un double numérique fonctionnant en réseau, principalement orienté vers le patrimoine, hein, donc vers effectivement les musées, etc. Enfin, au moins, disons, ce qui concerne Jean-Marie, Charles-Alexandre et moi-même, on travaille vraiment là-dessus actuellement, en collaboration avec d'autres d'ailleurs, notamment avec le X-Lim. Voilà, donc on essaie de construire des représentations immersives
permettant justement de pouvoir partager des espaces informationnels ou des collections audiovisuelles. Donc là, vous avez vu, vous allez voir justement une collaboration avec le Musée du Papier d'Angoulême où on s'est emparé d'une collection très importante d'étiquettes publicitaires. Alors c'est notamment du fromage, mais avec toute une iconographie absolument intéressante. Et donc l'idée, c'est de déplier comme ça cette information, déplier les différentes couches, un peu à la façon de Roland Barthes, de voir un petit peu comment s'étagent les différentes couches de sens, les différents layers. Et donc le spectateur peut comme ça explorer les images, les déplier, et notre but est de pouvoir partager cette expérience avec d'autres utilisateurs, pourquoi pas aussi avec des conférenciers qui pourraient, à l'intérieur même des archives, une archive dynamique, penser comme un champ d'activité, déplier justement et expliquer. Alors, il y aurait effectivement là aussi tout un sens pédagogique, didactique, mais aussi pour nous, c'est des objets finalement qui ont deux aspects, hein. C'est pseudo-didactique, on pourrait dire, d'un côté des objets de création, hein, et puis aussi des objets qui peuvent transporter de l'information et en communiquer. Voilà, donc création, donc là je vais peut-être laisser parler mon collègue Jean-Marie sur ces travaux justement interactifs. Oui, vous m'entendez, oui, c'est ça. Oui, bon, écoutez, je vais reprendre du côté de la création et dire en introduction, en fait, c'est vrai que la première fois que j'ai rencontré Don Foresta, c'était justement à l'intersection de la recherche et de la création, hein, puisque c'était durant une exposition qui était Images calculées, hein, qui se déroulait à la Cité des sciences et de l'industrie en 88-90, et où la personne avec qui j'allais travailler, je ne connaissais pas encore, Jean-Luc Boissier, les pensées sont les ombres de nos sentiments. Mais il faut arrêter le truc. Toujours observer. Voilà, excusez-moi. On va revenir là, donc création. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer, vous parler d'une exposition donc, qui était dont le catalogue est ici, hein, qui s'appelait Artifice 4, hein, langage en perspective, et qui est la première exposition en France, en fait, dans laquelle on a, de manière délibérée, montré des sites Internet. Hein. Donc, l'exposition est en 1996, donc on passe de 89 à 90 à 96. Et donc, on avait monté une exposition donc, à la salle de la Légion d'honneur donc, à Saint-Denis, qui s'appelait donc, Artifice. Et dans cette exposition, dont c'était le quatrième moment, en fait, Artifice 4, on avait donc organisé une scénographie pour montrer pour la première fois au monde, n'ayons pas peur des mots, puisque c'était la première fois que ça arrivait. En fait, on avait montré une sélection d'artistes travaillant sur Internet, de sites web. Hein, c'est difficile de faire les deux en même temps, je suis désolé. Voilà. De sites web ou là, ce sont des CD-ROM. Hein, donc, il y avait CD-ROM et sites web. Avec une vraie réflexion, disons, scénographique pour savoir comment est-ce qu'on pouvait justement montrer ces documents, en fait, hein, ces sites web qui sont, vous le savez, qui se consultent individuellement, en fait. Donc, la question qui était posée dans cette nouvelle scénographie, c'est comment montrer à des gens ce que des personnes consultent individuellement. Donc, il y avait comme ça toute une série de petites inventions. Et en tout cas, tout ce qui était dans l'exposition était montré sur des écrans, ce qui permettait à tout le monde de voir ce que faisaient les autres. Donc, on avait travaillé donc, à regarder dans cette première version du web, hein, qui étaient les artistes ou quelles étaient les institutions qui faisaient un peu des choses novatrices en art. Et donc, on avait ainsi exposé donc, une vingtaine de sites Internet, dont ceux de Ken Goldberg ou d'Ego Gunter, par exemple, avec Refugees Republic, qui est toujours d'actualité, ou par exemple Anthony Muntadas, pour ceux qui connaissent, une pièce historique qui s'appelait The File Room, c'est-à-dire une pièce qui s'intéressait à la censure qui affecte les journalistes dans le monde. Cette pièce existe toujours, hein, vous pouvez la consulter. On avait aussi exposé des sites artistiques, Ada Webb, Jenny Holzer ou Laurence Zinner, par exemple, Laurence Zinner, qui est un artiste conceptuel très connu. Des revues, Synesthésie, d'Anne-Marie Maurice, la revue du CICV aussi, qui était un centre de création à Belfort.
l'ICC Gallery, donc à Tokyo, le Dia Center à New York, le Whitney Museum ou le V2 à Amsterdam, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était pour cet aspect historique. Ensuite, dans la même exposition, moi, j'avais exposé une pièce qui s'appelait Histoire 2, donc 1996, et donc qui était une installation, en fait, qui s'intéressait à comment est-ce qu'on peut finalement faire une création commune à distance. Alors, la distance n'était pas forcément très élevée, hein, puisque c'était, vous allez voir le schéma tout à l'heure, donc c'était une dizaine de mètres, mais chacun était dans son univers, en fait, chacun manipulait un morceau de l'écran, hein. Il y en avait un qui manipulait le haut et l'autre le bas, avec une interface spécifique. Il était appareillé aussi avec un casque, et comme ça, donc il créait lui-même en temps réel un film, hein, les deux personnes qui jouaient, créaient elles-mêmes donc un nouveau film avec ces deux écrans qui constamment bougeaient. Donc c'était une installation qui à l'époque était complexe à monter, hein, les technologies n'étaient pas les mêmes, les vidéoprojecteurs c'était compliqué, hein, c'était pas les petits vidéoprojecteurs qu'on a aujourd'hui, etc. etc. Voilà, donc c'était le dispositif qui était vraiment conçu déjà pour essayer de réfléchir comment est-ce qu'on allait pouvoir travailler à distance, hein, bien avant que Facebook n'existe, par exemple. Alors, voilà, ça c'est, oui, je parlais en même temps. Bon, ça c'est une image de cette installation. Ça c'est le schéma. Désolé, je parlais sans. Les pensées sont les ombres de nos sentiments. Voilà, ça c'est un petit document. Toujours obscurs, plus vides, plus simples que ceci. Les pensées sont les ombres de nos sentiments. Toujours obscurs, plus vides, plus simples. Tant la mort et le silence de mort constituent l'unique certitude. Et ce qu'il y a de commun à tous dans cet avenir. Et pourtant, la mort et le silence de mort constituent l'unique certitude et ce qu'il y a de commun à tous dans cet avenir. Elle ne peut être désirée, car il est réel. Ce qui est réel. Donc on voit en fait que chacun regarde un peu les images de son côté et ça crée comme ça des événements en temps réel. Bon, on va passer. Je vais vous montrer maintenant un deuxième travail qui date de 1999, qui s'appelle donc Hildebats, et qui avait été montré à la biennale ICC, donc Intercommunication Center, à Tokyo en 1999. Donc pareil, en fait, l'idée avait été là de regarder comment est-ce qu'on peut travailler finalement ensemble ou contre. Là, c'était plutôt en opposition, on pourrait dire. Comment est-ce qu'on peut se prendre les images, s'empêcher finalement de faire des choses comme on le voudrait. Donc, c'était une manière aussi de voir qu'est-ce que peut être l'esthétique de ces réseaux. Donc, j'avais construit deux cabines. Chaque cabine supportait une interface. Elle était équipée, chacune était équipée d'un vidéoprojecteur et de son propre écran. Et entre les cabines, il y avait ce qu'on voit ici symbolisé par une terre. En fait, il y avait un morceau de, on pourrait dire, de plage, hein, un mètre carré de plage. Sur cette plage, donc, était organisé un certain nombre d'éléments qui servaient finalement d'embrayeur à l'histoire, hein, c'est-à-dire qu'ils servaient à stimuler un peu l'imaginaire du spectateur pour qu'il se crée lui-même ses propres histoires. Voilà, vous allez voir, donc ça c'est le schéma, en fait ça c'est l'interface, en fait, donc c'est une interface avec des boutons, hein, très simple, et on voit l'écran du haut, c'est l'écran de projection, et puis le spectateur pouvait voir en fait le déplacement sur ce morceau d'île d'une caméra, hein, donc et il voyait en même temps en temps réel son parcours avant de passer sont des images enregistrées, filmées, qui racontaient une histoire.
Vous allez voir, ça c'est donc le morceau de plage avec, on voit là, en haut la caméra, et puis ça c'est donc une petite vidéo du dispositif. Donc la caméra se déplace parce qu'un spectateur l'a activée, donc il a désigné sur sa carte un point. Donc la caméra va se placer sur ce point-là. Et une fois qu'elle est arrivée sur ce point, elle va déclencher finalement des séquences vidéo qui racontent une histoire. Parce que c'est un film quand même, c'est un concept de film. C'est un film très déstructuré, mais il était intéressant de faire voyager comme ça les spectateurs sur l'île, mais aussi sur des couches de temps. C'était des manières d'inventer des nouveaux types de scénarios avec ces médias, en fait. Ces médias qui nous permettent justement de raconter des histoires délinéarisées, non plus linéaires. Donc, le spectateur voit tout d'abord le parcours de sa caméra sur cette île. Donc, on peut même le contrôler en temps réel, hein, puisqu'il la voit vraiment. Une fois qu'on est arrivé sur le point demandé, en fait, on passe à l'univers qui est l'univers vraiment de l'île, mais enregistré. En fait. Donc pour cette installation, ensuite on va passer à quelque chose qu'on a réalisé donc en... Voilà. On va passer maintenant... Ce qui émerge d'enchaînement. Un événement donc, qui avait été organisé en 2015 au CUBE, donc à Issy-les-Moulineaux, durant lequel, Frédéric, tu veux peut-être reprendre la parole pour expliquer ? Oui, ben là c'est une expérience plutôt de vidéoconférence dessinée. En fait, on était connecté entre le CUBE à Issy-les-Moulineaux et Angoulême, où il y avait un Thierry Smolderen, donc qui s'occupe de la bande dessinée sur les Allez-y, en fait. Qui encadrait des dessinateurs qui finalement écrivaient, enfin dessinaient en même temps que le discours se dépliait de la conférence. Et souvent de couplage entre les variétés. Et donc il accompagnait continuellement comme ça, comme un dessin finalement qui accompagnait la conférence. C'était extrêmement, enfin ça disait des choses finalement qui n'étaient pas forcément exprimées directement, mais qui étaient une sorte de sous-commentaire du travail. On va passer, Fred, parce que le temps oui, coule. Je pense que là, on passera, je pense. Vas-y. Ouais. Bah, et puis, je maîtrise assez mal moi mes stop and go. on passe maintenant un peu au travail que l'on a mené donc en tant que collectif d'artistes avec le Sliders Lab. Et notamment avec un projet que l'on a mené avec deux artistes, hein, Stena et Udi Vazulka, qu'on a appelé le Vazulka Interactive Multimédia, hein, deux artistes qu'on a réussi à rencontrer véritablement avec Don, en fait, hein, puisque c'est des très vieux amis à Don, et ce sont surtout aussi des pionniers de l'art vidéo. Et donc, on a... Et,
ce qui était intéressant avec ce couple d'artistes, c'est qu'ils avaient gardé ils avaient gardé énormément de documents relatifs à tout ce qu'ils avaient fait en art, en fait. Et donc, on a, puisqu'on travaille avec les grands ensembles d'informations, on a décidé de travailler avec eux sur une archive, un peu une archive qui permettrait donc de consulter leurs documents, une archive. Vous allez voir qu'il y a une console, en fait un meuble, hein, qu'on a fait construire justement à Chasseneuil-du-Bonnois, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et qui est une invention finalement. C'est un peu comme une bibliothèque que l'on pourrait déplacer comme ça, et qui à terme devrait contenir tous les documents relatifs à l'œuvre de ces deux artistes. Donc c'est une archive, donc vous voyez, qui est en fait un volume, en fait c'est une tour de données. Chaque anneau de cette tour de données comporte tous les documents relatifs à une œuvre. Et après, donc là, par exemple, on est avec une vidéo qui s'appelle Tokyo Fort. Et donc sur l'anneau de Tokyo Fort. Et forcément, quand on est sur un anneau, on a une vidéo, puisque le principe, c'est que chaque anneau, finalement, supporte un projet vidéo. Et là, on a sur l'écran de droite, donc un carnet qui nous permet de savoir de quoi l'on parle et qui porte aussi des hyperliens. Parce que dans cette tour, voilà, ce qu'on peut rajouter, par exemple, tout ce qui est les photos, tout ce qui est les documents, disons, textuels, tout ce qui relève des cartels, etc., etc. Oui, Frédéric. On avait développé en 2007, hein, c'est ça, Jean-Marie, un concept qui avait été retenu par le service d'innovation du ministère de la Culture, justement sur les projets innovants par rapport au patrimoine. Alors, on avait déposé cette idée finalement comme hub de musée, ça devait être connecté justement en réseau, c'est-à-dire que l'archive donc partagée par le comité, on pourrait dire les commissaires, pouvaient justement continuer à travailler sur cette archive, pouvaient l'indexer et la faire vivre en fin de compte. Et tous les matins, lorsque le meuble se réveiller, il est connecté sur Internet et il chargeait la dernière version updatée de l'archive. Et donc, on n'était pas finalement avec un meuble qu'on, parfois on avait l'habitude de voir, c'est-à-dire des vitrines un peu poussiéreuses avec un écran vidéo qui finissait par tomber en panne, mais plutôt par disons, une archive vivante qui s'indexait continuellement des nouvelles données de ce document, servant finalement comme un support scientifique aussi et démonstration pour le public. Tu peux peut-être avancer, on va finir avec le Sky MemoryNet du cube. On puisse parler. Ouais. Voilà. Donc, vas-y. Oui, rapidement. Donc là, vous avez un travail donc qui est fait. Alors là, avec un, on pourrait dire du cinéma interactif, sauf que les images ne sont pas des images découpées dans une base de données, par exemple, mais elles sont, c'est des images venant de caméras branchées dans le monde entier, en fait, des webcams. Et avec un système, disons, un programme qu'on a détourné, on captait les images et on pouvait les réintroduire dans nos films, finalement, dans nos architectures de mémoire. Donc là, vous avez, par exemple, des cabines. Ça se passe maintenant, hein, c'est du temps réel. Et on profite des incidents de la vie, comme ça, des gens qui rentrent, qui passent dans la rue, du son qui va arriver là maintenant. On est vraiment on pourrait dire, du cinéma ultra-moderne. Hein, si on devait faire référence au cinéma moderne de l'avant-garde, hein, de la modernité. Voilà, on est vraiment on utilise les propriétés du réseau et d'avoir des caméras finalement distribuées. Voilà. Et donc, là, on prolonge peut-être même les aventures de Dan Graham, de Gary, enfin de toute cette classe d'inventeurs de vidéos, ou des Vazulka aussi, qui prenaient des images vivantes, mais là, dans l'environnement de la caméra. Bon, là, c'est des images qui viennent de l'autre bout du monde. Il y avait même des sons venant de la station spatiale on ne sait pas si on va voir le son, hein, mais les performeurs, là, Jean-Marie et puis moi, on improvise finalement en fonction des flux qui arrivent et qui sont des surprises, en fait, poétiques pour nous. Voilà. Voilà, Charles-Alexandre, prends la parole, Charles. Merci beaucoup. Bon, l'antenne. Fred, c'est ça, Kodiak G. Pour ceux qui s'en rappellent.
En tout cas, merci pour cette petite présentation, un peu dans la continuité de ce que nous expliquait Don par rapport à cette collaboration qu'on peut avoir à distance. Là, on voit que les réseaux se développent, les possibilités aussi sont plus grandes et on a le net qui peut justement être un excellent support pour atteindre des nouvelles formes et des nouvelles expérimentations plastiques et visuelles. Du coup, Benoît, tu as travaillé sur le réseau MAP qui est un petit peu dans cette continuité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà en quoi consiste ce réseau MAP et quels sont ses objectifs et comment tu travailles là-dessus? Donc, MAP, moi j'étais étudiant de Don quand j'étais tout jeune. C'est lui qui m'a appris que la lumière était à la fois une onde et une particule. Donc, une introduction à la physique quantique, quand j'étais au Beaux-Arts de Cergy et qu'il y enseignait. Cette ouverture sur cette expérience qu'il avait déjà. Donc, soudain, j'étais pris par ce qu'il pouvait poser. Et pour autant, je m'en suis un petit peu éloigné, pas par choix, mais parce que j'avais des activités qui étaient plus théâtrales. Et je fais rapidement ça, une présentation qui a vocation aussi à raconter un petit peu ce qui est MAP. C'est que je me décris comme artiste polymorphe, je suis à la fois metteur en scène, vidéaste, développeur, comédien ou quoi. Ce qui veut dire que dans un sens, tout le monde peut l'être. Et que la seule question pour moi, c'est la question de la présence et la question des communs. Qu'est-ce que nous mettons en commun? Et donc je passe rapidement là-dessus. L'histoire, la question fondamentale à mon sens, c'est, et particulièrement aujourd'hui avec ce temps de Covid, etc., c'est comment est-ce que nous sommes en présence les uns aux autres. Et c'est-à-dire, quelle relation nous posons qui nous permet de fabriquer, de construire une réalité commune et ne serait-ce que ça, d'appeler par les mêmes mots la même chose. Et quand on se retrouve dans le réseau, et particulièrement aujourd'hui, on voit que d'un point de vue social, ça dépasse... ça dépasse des questions qui nous paraîtraient banales, mais que on pourrait finir par ne plus appeler de la même manière la même chose, parce que tout simplement on est complètement isolé et le projet qui soudain MAP prend de tout le monde s'y intéresse. Ce projet qui prend de l'ampleur parce que à un endroit nous sommes dans une réalité, une absolue réalité de cette solitude et d'inventer des moyens de faire ensemble, nous raconte aussi quelle réalité nous créons ensemble, y compris par le réseau. Et ça, ce sont des petits schémas que j'ai fait en 2015. J'intervenais en Indonésie dans un consortium, un colloque qui s'appelait Transformaking. Pour aller rapidement, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais ce sont des portes ouvertes qui méritent d'être enfoncées, à mon sens. Physiquement, un ensemble extrêmement complexe d'émetteurs et de récepteurs, et nous émettons des intentions et nous recevons des intentions et nous agissons en fonction de ça. Et puisque le cœur de mon métier, c'est quand même le spectacle vivant, l'idée c'est qu'on soit plusieurs à partager ces intentions et dans un espace commun à un instant donné.
Donc, il y a un endroit, je ne sais pas si vous voyez ma souris, j'arrête pas de faire des petits tours. Il y a un endroit, il y a une question de notre propre présence, et puis ensuite de notre présence commune, où nous décidons, par un acte volontaire, de partager quelque chose dans un endroit commun. À partir du moment où l'endroit n'existe plus, cet endroit commun, cet endroit possible de présence commune, et ça, nous ne pensions pas encore quand nous avons commencé tout ça, mais maintenant ça devient comme une urgence, à partir du moment où cet endroit de présence commune n'existe plus, comment est-ce que nous pouvons faire corps quand même ensemble dans le commun? Donc c'est une vraie question. Et ma réponse, forcément provisoire et subjective, c'est de dire que c'est de me raccrocher aux pensées de McLuhan sur the medium is the message, the medium is the massage, c'est-à-dire que nous devons construire des médiums, des moyens, des outils pour traverser les choses, des outils pour inventer de nouvelles formes de présence. Et il dit cette chose que j'ai mis en gros là sur ma présentation, que peut-être vous voyez. Nous savons déjà qu'il est aussi futile de changer d'objectif aussi souvent que de technologie. C'est-à-dire qu'à un endroit, la question n'est pas la technologie dans ce que nous racontons là. La question est plutôt de mettre au service de nos objectifs de vie et de partage, de création de commun, ces technologies. Donc, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Qu'est-ce que nous faisons avec l'idée que mais finalement, nos objectifs ne changent pas, au fond, si on veut bien regarder, nos objectifs de fabriquer du commun, de créer ensemble, d'être là ensemble, de s'aimer, d'être dans un mouvement éphémère, ce ne sont pas les technologies qui vont faire changer ça, et que si nous choisissons des technologies, alors nous nous plions à une certaine forme d'habitude, à une certaine forme de technologie. Dire ça, c'est bien beau, c'est faire de la philosophie, et je ne suis pas philosophe. L'idée, c'est qu'à un endroit, il y ait quelque chose de concret qui puisse se poser, et c'est bien là-dessus que je travaille depuis maintenant un certain nombre d'années, l'idée de poser des prototypes pour des outils pour ça. Et ils sont en train d'advenir. Il y a... voilà, j'ai séparé ça en trois parties, une application, un logiciel serveur, et puis une toute petite explication sur un réseau de serveurs de taille et de puissance diverses, mais qui me paraît assez essentiel. Donc, MAP, dans son concret, ce serait... Nous sommes en train de l'expérimenter, de le tester, de travailler dessus. Ce serait d'abord une application qui nous permettrait d'entrer dans ce que j'expliquerai plus tard, ce serveur, ce réseau de serveurs. Une application qui serait comme Slack, éventuellement, pour ceux qui connaissent, un espace de travail collaboratif avec espace personnel, version Facebook, messagerie, on a des contacts avec qui on est en lien, des gens avec qui on n'est pas en lien, etc. Gestion des fichiers, on peut laisser, comme notre collègue Philippe Danfray du CEA a beaucoup parlé au début du projet, enfin quand on commençait à en parler, gestion de fichiers, c'est-à-dire pouvoir laisser des traces,
des choses qui puissent être lues par d'autres. C'est surtout une architecture en espace et en salle pour mettre en commun et modifier ensemble des signaux. En espace et en salle, c'est dire, pour ceux qui connaissent l'outil Discord, c'est un espace qui est en salle. Sur Slack, c'est des channels. Il y a des channels dans une sorte d'espace projet. Finalement, ça ressemble un peu à Slack, c'est-à-dire qu'on aurait un espace projet et puis des channels là-dedans qui seraient des ouvertures à autre chose. Sauf que tout ça se fait en même temps, c'est-à-dire que ce n'est pas séparé, on peut les relier. Il faut s'imaginer la chose comme une grande ville où il y aurait des immeubles et vous voyez là sur votre droite, c'est le résultat d'un logiciel que j'ai programmé en 2017 qui visait à poser le résultat d'un calcul d'automates cellulaires donc assez organique avec des règles pour construire des architectures. Benoît, on a une petite question dans le chat qui a justement rebondi un peu sur oui. Ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu entends par signaux en fait ? Alors, ça, je vais y venir plus tard. Je vais y venir, d'accord. Mais je vais y venir plus tard, mais c'est absolument central. Peut-être j'aurais dû en parler au départ. Tout est signal. Tout est signal et la question de la présence. Est une question de signal. C'est du signal émis, c'est du signal reçu. Pour parler très personnellement, moi je suis à moitié sourd, je fabrique le signal de la communication qui m'est transmise en partie avec le signal sonore et en partie avec le signal gestuel, visuel, qu'est-ce qu'on raconte, etc. Et puis le contexte, etc., etc. Tout est signal. Et le principe du logiciel, j'y viendrai un tout petit peu plus tard, le principe de ce logiciel, c'est de dire que tout doit être réduit au signal. Parce que du point de vue de l'ordinateur, l'ordinateur s'en fout que ce soit du texte, que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'audio, que ce soit de la data, que ce soit... L'ordinateur s'en tape. Donc, à un endroit, ce qui importe, c'est qu'il y a... du signal qui rentre et du signal qui sort. Et donc, c'est mon principe pour construire ce logiciel. Tout doit être réduit à ce signal-là et la dimension symbolique relève des humains. Le logiciel n'est pas fait pour poser une dimension symbolique. Par contre, dans son usage, il a une dimension politique. Et donc, comme je disais... On a ces espaces qui seraient, disons, par exemple, vous êtes à l'Université de Poitiers, il y a un espace Université de Poitiers et des salles pour ceci et cela à l'Université de Poitiers, ou même on peut l'imaginer comme un espace qui serait la Nouvelle-Aquitaine, et puis soudain il y a des espaces qui seraient l'Université de Poitiers, l'Université de Bordeaux, etc. C'est construit comme ça. Il n'y a pas de différenciation, il y a juste une sorte de, de dimension fractale, de matrioshka, qui vont vers le fait qu'il y a des endroits où on peut se retrouver. L'idée, c'est que ça puisse être utilisable. Donc, quand je dis interface non disruptive, créer ses propres outils, c'est l'idée qu'on puisse se sentir chez soi. C'est-à-dire, je fabrique des choses et puis les choses vont se passer assez naturellement. Et aussi pour les artistes, et là je parle de mon point de vue, c'est qu'il puisse y avoir une passerelle avec des logiciels qui sont utilisés uniquement en local et des passerelles avec, par exemple, des signaux qui sont générés pour, je ne sais pas qui connaît ça, mais qui sont générés par Syphon sur Mac qui permet de transmettre de l'image très facilement d'un logiciel à l'autre. C'est-à-dire qu'on puisse tout faire rentrer dans cette affaire-là. Et évidemment, tout faire sortir. Qu'est-ce que c'est que le signal ? Alors, je vais peut-être
j'y reviens un tout petit peu. Signal, pour moi, comme je disais, c'est la base. C'est-à-dire, je suis en train de bouger mes mains en vous parlant, c'est tout ce que j'aimais en parlant comme ça. Or, aujourd'hui, depuis un an en particulier, mais avant aussi, on s'est habitué à ce que le signal ce soit uniquement visuel et auditif. Or, il y a une multitude de signaux qui émergent de nous, et j'ai mis cette photo à droite, c'était une expérimentation qu'on a fait en 2008 avec Christian Jacquemin, le laboratoire LIMSIS-NRS, sur comment est-ce qu'à un moment on capte l'émotion, c'était ça l'ambition. Évidemment, on ne capte jamais l'émotion, mais on peut capter des signaux de l'émotion et en formuler une interprétation. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est bien ça l'histoire, c'est qu'à un endroit, la recherche, là, est de pouvoir partager des signaux de présence qui soient plus que ce qui nous est proposé aujourd'hui de... On se contente de la présence d'un être tronqué, comme je suis là maintenant devant vous, avec des sons qui sont très restrictifs. Et l'idée, c'est à un endroit de pouvoir développer tous ces signaux et de non pas créer une nouvelle présence, parce qu'on n'y arrivera jamais, c'est pas ça l'histoire, mais de pouvoir agencer ces signaux pour créer un contact, une forme de présence qui est qui n'a pas toute la qualité de la présence, mais qui, disons, est un endroit de dramaturgique intéressant. Et donc, l'outil doit être au cœur de ça. Parce que aujourd'hui, on fabrique avec différents outils et que tous ces outils sont axés sur, majoritairement sur la construction d'un signal de partage local. On fait du théâtre, ok, on est toujours en train de manipuler du signal, mais c'est toujours ici, ensemble, avec cette idée fondamentale que nous sommes ensemble, en présence. Or, ce qu'on posait déjà avant même le Covid, c'est-à-dire qu'il y avait un enjeu dramaturgique, il y avait un enjeu de recherche, l'enjeu de fabriquer avec des gens qui sont au bout du monde. Aujourd'hui, ça devient presque urgent de dire, on se retrouve face à des présences qui sont complètement atrophiées et dans des solitudes complètes par rapport à cette richesse de construire ensemble un endroit commun. Du coup, quelle est l'idée de cet outil et comment technologiquement ça s'applique? C'est que ce signal de présence, donc, je ne sais pas si ça répond à la question qui a été posée, ce signal de présence, il doit passer par un certain nombre de médias. Et ça passe par, évidemment, par l'image, donc par la vidéo. Mais aujourd'hui, la vidéo est restreinte à une image qui est un format standard. Et ce qui est proposé par l'outil là maintenant, c'est de dire, on fait rentrer toutes les images qu'on peut dans cette affaire. C'est-à-dire, ici, j'ai une caméra, vous me voyez par là, mais j'ai aussi la possibilité de connecter mon iPhone, parce que j'ai un petit système qui permet ça et qui est très standard, j'ai la possibilité de connecter autre chose, etc., etc. La possibilité de faire rentrer les images d'autres logiciels. Parce que quand je travaillais en local, en vidéo, je travaillais avec des logiciels qui fabriquent de l'image, qui génèrent des choses, et j'ai la possibilité de faire sortir une image complète de tout ça.
Il faut que nous puissions la faire rentrer et la transmettre. La possibilité de travailler avec de l'audio non compressé. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez mon audio avec beaucoup moins de fréquence que ce que l'oreille humaine est capable d'entendre. Donc, l'oreille humaine désapprend à entendre ces fréquences-là. Et surtout, c'est un peu comme quand on travaille avec des LED, où maintenant toutes nos lumières sont LED, on ne voit plus l'infrarouge, on ne voit plus la lumière complète. Aujourd'hui, on n'entend plus complètement le son. Il faut pouvoir travailler avec ça. Et de manière plus simple, si j'ose dire, il est possible de faire passer tout type de données qui sont des petites données. Si je vous transmets du texte, comme on fait sur Facebook, c'est rien du tout, ce sont des très petites données pour la bande passante qu'on a. Si on est capable de se transmettre à la fois de la vidéo et une image d'aussi bonne qualité, il me semble, d'un PDF ou de que sais-je encore, à plusieurs, alors ces données-là sont vraiment très petites. Et donc, il doit être possible de pouvoir les faire passer. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement le texte, le s'envoyer des messages, mais aussi comment est-ce que, et c'est l'objectif de mon image de droite là, comment est-ce que ces petits signaux de ce capteur que j'ai sur ma joue, capteur nasaux, etc., électrocardiographe, etc., qui sont des très petits signaux puisque ce ne sont que des chiffres, on doit pouvoir les mettre en partage. Donc ça veut dire que le MIDI, pour ceux qui sont intéressés, pareil, ce sont de très petits signaux. Les chiffres de 0 à 128 sont des chiffres. L'essentiel de tout ça étant qu'on doit avoir la possibilité, et c'est vraiment l'objectif de cette application, puisqu'on est sur l'application, c'est de pouvoir les mettre ensemble et de fabriquer ensemble, agencer ensemble des signaux, ces signaux qui sont émis. Ce qui veut dire qu'à un endroit, quand on se retrouve dans un espace commun, donc les espaces, les chambres, les salles dont je parlais tout à l'heure, on doit pouvoir retrouver une interface commune qui nous permette de dire « ben moi j'ai envie de partager ma vidéo, la vidéo de ma webcam, la vidéo que je retrouve de je ne sais quel outil que j'ai chez moi en local, la vidéo de ceci, le son de cela, les capteurs, etc., que j'aurais réussi à brancher mon ordinateur, je veux pouvoir les mettre en commun. » Et donc, il y a une possibilité, c'est de les mettre en commun, et puis chacun les reçoit et en fait ce qu'il veut. Mais là où on est très attentif, c'est de dire on les met en commun, et on les met en commun dans un endroit où on va pouvoir les manipuler en commun. Donc, ça veut dire que c'est comme si on avait des entrées tous qu'on allait pouvoir mettre à disposition d'une table commune. Nous sommes tous autour d'une table, nous avons tous des images, du son, etc., et nous les mettons sur la table et nous les réorganisons les uns les autres. Et pour ça, on utilise Pure Data, que peut-être tout le monde ne connaît pas, c'est à certains endroits très confidentiel et à d'autres endroits très connus, puisque c'est très utilisé par les artistes. On utilise Pure Data, qui est une sorte de surcouche d'un système qui est à nous, qui gère toute cette affaire-là. L'idée étant que, vous l'aurez probablement compris, on a commencé ce projet bien avant cette histoire de Covid-19. Donc l'affaire, c'était pas que ça se regarde sur un écran. L'affaire, c'était que ce soit scénographié, que ce soit mis dans des espaces. Et comme mon premier schéma le montrait, c'est de dire à un endroit, il y a un théâtre qui se fait, et puis il y a un théâtre qui se fait dans le réseau. Donc comment est-ce que à un endroit, je récupère l'image qui m'est renvoyée pour la scénographier, la découper, la mapper sur telle
telle et telle architecture, comment je récupère le son, je le respatialise dans l'espace, etc. Au fond de ça, et il faut, j'oublie quand même une chose, tout ça doit aussi pouvoir être, être broadcasté, j'allais dire, mais être diffusé sur l'Internet d'une manière cohérente. Donc il y a une forme de mise en scène aussi qui se fait là. Et le fond de ça, c'est quand même qu'il n'y a aucune. La fondation, c'est l'exigence artistique. Comment est-ce que je peux arrêter un spectacle simplement parce que la connexion s'arrêterait ou parce que l'image serait de mauvaise qualité par rapport à mes espérances, etc. Ça ne doit pas se passer. Donc, notre enjeu, je ne dis pas que c'est fait, hein, mais l'enjeu, c'est d'aller à cet endroit-là et de dire que tout ce que nous mettons au service est fondé sur ces exigences artistiques. Donc la technologie se plie à ce que sont ces exigences. Et c'est vraiment le fond de cette affaire. Benoît, est-ce que tu en as encore pour longtemps? Parce qu'on n'est pas très en avance sur l'horaire, on va dire. D'accord, je vais aller vite sur la suite. Merci. On peut passer là-dessus. On peut passer là-dessus. Le moteur fondamental, c'est Pure Data, qui est développé par Miller Puckett et qui permet aussi, puisque c'est le moteur de l'application et le moteur du serveur, qui permet de débloquer un certain nombre de possibilités de génération de signal. Du coup, voilà, il y a cette application multiplateforme, et il y a évidemment des serveurs, et j'irai vite là-dessus. Ces serveurs permettent ce partage des signaux, ils autorisent un certain nombre de... ils facilitent un certain nombre de choses, et surtout, ils permettent de balancer les besoins de manière à ce que ça se passe facilement et de manière la plus transparente possible. Pour tout le monde. Quoi. Juste un petit rappel, sans aller plus loin sur ce slide, mais un petit rappel, l'Internet est physique, il n'est pas du tout in the cloud comme par magie, donc on est vraiment sur des questions qui sont d'ordre est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas. Et tout notre enjeu est de trouver des stratégies pour que les choses passent, se passent au mieux et soient au plus proche des usages. Voilà, il y a je remets ce petit schéma. Ce schéma est un schéma assez ancien qui date de 2013, que j'avais construit pour essayer de visualiser quels étaient nos partenariats à l'époque. Et vous voyez qu'il ressemble aux questions de présence que j'évoquais dans le schéma du début. C'est-à-dire que l'outil est fondé à le même schéma que le réseau de personnes, à le même schéma que le réseau de signaux et de transmission qu'il peut y avoir entre nous. Juste pour dire une chose, pour finir, l'idée c'est que nous soyons les plus nombreux possibles à avoir des serveurs qui servent où ? comme actif, actionneur, fournisseur d'un service ou qui servent comme relais pour la connexion. Et que c'est bien l'enjeu de trouver ce que serait une sorte d'Internet parallèle qui nous permettrait de transmettre tous ces signaux. Des questions à résoudre, juste pour finir. Qu'est-ce que sont les espaces communs et qu'est-ce que sont les espaces communs dans ce réseau en tenant compte du fait que nous sommes des êtres humains et présents puisqu'ils fondent nos réalités partagées, comment est-ce que nous réinventons ces espaces
et nous nous réinventons nous-mêmes, à la fois dans nos positionnements et dans nos pratiques, je disais nos métiers, nos usages, nos manières de faire corps surtout, pour dépasser les clivages liés au choix de quelques-uns. J'entends par là, ce n'est pas Zoom qui fera l'avenir de nos présences communes, et je vous remercie infiniment. J'ai fini. Merci beaucoup Benoît, désolé de... Avec plaisir. Je vais accélérer un petit peu la cadence. Peut-être, on avait une partie autour de la question du juridique, parce que toutes ces approches artistiques, vu qu'on a une collaboration qui se fait sur les réseaux, voilà, on peut pas s'absoudre de toute approche juridique de ce point de vue-là, et on sait que les législations, notamment entre les pays, peuvent être assez différentes, avec un esprit de la loi à la française, avec le droit d'auteur, tout ce qui est droit voisin et autres, et une approche anglo-saxonne qui est assez différente. Rapidement, peut-être Don, nous parler un petit peu du travail qui a été mené là-dessus vis-à-vis du réseau Marcel. Oui, je serai très rapide. Non, j'ai compris il y a très très longtemps, parce que quand on a fait un travail ensemble comme ça, il y a toujours un problème de droit d'auteur. Dans ce cas, je savais très très bien que dans l'avenir, il y avait un problème à régler quelque part, il fallait créer un cadre juridique. Quand Frédéric et Jean-Marie m'ont mis en contact avec Fabric, on a déjà démarré ce travail qui était extrêmement intéressant et certainement... qui a répondu à un manque qu'on avait qui était assez profond. On a déjà terminé le premier document qui était un non-disclosure agreement qui allait nous permettre de diffuser notre plateforme à nos partenaires pour commencer la prochaine période qui est la période expérimentale, on peut dire alpha même, qu'on peut commencer de vraiment travailler ensemble mais avec une certaine protection. De l'idée. Et on va continuer à travailler ensemble cette année sur une convention entre membres pour déterminer comment on peut utiliser la plateforme, comment on peut travailler ensemble pour tenter à répondre à certaines questions juridiques assez profondes et importantes. Mais en même temps, en parlant avec les gens de la faculté, j'ai compris qu'il fallait beaucoup, il fallait aller beaucoup plus loin dans le sens qu'il fallait imaginer une partie de réseau qui était pour la culture, qui était une partie de réseau qui avait un cadre juridique totalement différent, qui allait permettre une expérimentation dans le domaine de la culture, ça veut dire la culture dans un sens très large. Art, science, éducation, recherche, tout. Ça, c'est une idée que j'ai échangée avec Alain Supio et j'ai eu son nom de vous. Hein. J'ai acheté ses livres, je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il était sur la même longueur d'onde et j'ai pris contact avec lui. Et on est en train de parler de la création d'un groupe de travail franco-britannique qui peut travailler sur cette idée de imaginer le cadre juridique pour une partie de réseau qui est ouvert, qui n'est pas basé sur le commerce et certainement pas du tout sur la publicité, ni le vol d'identité des gens, mais qui est un espace qui a toute une autre définition juridique qui allait permettre quand même des artistes de gagner l'argent avec leur travail, mais en même temps qui n'était pas un espace totalement commercial. Et je suis en communication maintenant avec l'institut que Supio a créé à Nantes, l'Institut des études avancées, et en collaboration avec un certain nombre de partenaires en Angleterre, y compris Cambridge University, et que j'ai appris déjà une relation avec la faculté de Poitiers, qui tombe bien, coïncidence, mais c'est très très bien. On travaille aussi avec University College London, qui est un partenaire très important et qui a fait une demande de financement en Angleterre
pour faire un projet très élaboré pour apprendre comment on peut faire le théâtre en ligne. Et troisièmement, London School of Economics, parce que c'est une question d'économie aussi. On travaille avec le département de médias et communications à LSI qui sera aussi dans cette affaire. Dans ce cas, j'espère que Poitiers peut nous joindre dans cette aventure et participer à la création de ce cadre juridique qui sera tellement important pour l'avenir, parce que s'ils sont ça, c'est comme on n'existe pas. Et voilà. On a un peu d'écho, je crois. Non, ça y est, c'est bon. Donc oui, on a Florence Chéoni qui est justement dans les participants. Je pense que l'appel a été lancé et que la connaissant, il sera plutôt répondu. Donc juste avant de conclure, Jean-Marie, je crois que tu voulais nous parler d'un colloque autour de cette thématique-là. Merci Charles-Alexandre. Plus rapidement. Donc on organise pour l'année prochaine un symposium en fait art en réseau qui doit se tenir en juin-juillet. Les dates évidemment seront à confirmer, mais qui va nous permettre de sur la région Nouvelle-Aquitaine et au-delà, à l'international aussi, de développer un peu ces recherches aussi d'un point de vue conceptuel, formel, mais de faire aussi un état des lieux un petit peu de ce qui existe au niveau des outils. Il y aura quatre axes. Un premier axe sur la question de l'histoire et des archives, où notamment on travaille aussi à réfléchir à une mise en forme des archives du réseau, avec Diego Gérac de l'Université de La Rochelle. On va aussi avoir un axe sur la question des outils. Qu'est-ce qui s'est déjà fait comme type d'outils créés par des laboratoires ou par des artistes avec des laboratoires ou par des ingénieurs qui ne sont pas les outils du commerce. Ça existe. Voyez-nous, on essaye d'en développer un parce qu'on pense qu'on peut apporter encore des choses aux outils qui ont déjà été faits, aux philosophies qui ont été développées avec ces outils. Et puis, maintenant, la fibre optique existe. Donc, forcément, ça crée un cadre différent pour travailler. Ensuite, il y aura quelque chose sur la question des utopies. Que faire, que penser maintenant avec ces nouveaux réseaux, vers où aller et vers quel type de société, qu'est-ce qu'il faut inventer de nouveau. Donc on invitera des personnes à parler de ça. Et puis quelque chose qui touche à la création artistique et comment les artistes amènent par leurs propositions des possibilités d'ouverture, de composition de ces nouveaux outils. Voilà. Et comme Don a parlé du droit, il y a aussi sur ces questions d'utopie, il y a aussi toute une question sur le droit qui est importante. Voilà. Et on espère, si on a les moyens, parce que tout ça va coûter de l'argent et on va prendre nos bâtons de pèlerin et chercher de l'argent, on espère pouvoir faire une programmation artistique et donc il faut qu'on trouve des partenaires pour justement s'associer avec nous. Et avoir une programmation artistique ambitieuse qui permette de faire aussi un panorama des créations, des performances réalisées par les artistes. Et puis, on espère effectivement aussi, parce qu'on est ambitieux, faire un livre qui soit un livre de référence sur cette question de l'art en réseau, qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci Jean-Marie. De toute façon, dès qu'on aura des informations sur le colloque, on les fera tourner sur le réseau du Fabrique. Et de Récatec pour sûr, pour que vous puissiez suivre un petit peu le sujet de ce colloque qui est tout à fait en ligne avec le sujet du débat de ce soir. Je vais regarder s'il y a des questions dans le chat qui nous arrivent. Il y en a peut-être une qui est en train d'arriver. Peut-être pas. En tout cas, en attendant, peut-être une dernière question pour
pour clore, je tiens à vous remercier tous les quatre chaleureusement pour votre participation à ces échanges qui étaient, je pense, qui ont bien couvert l'ensemble du sujet et qui étaient assez intéressants et riches. Donc, merci à vous quatre de votre temps. Merci à toi, Charles Alexandre. Avec plaisir. Bon, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. De toute façon, s'il y en a, n'hésitez pas à nous contacter et on vous redirigera vers les différents intervenants qui puissent y répondre a posteriori. Merci Laetitia, merci Charles Alexandre. Merci beaucoup. Bien Laetitia, je te repasse le flambeau. J'ai pas grand chose à ajouter. Je vous remercie tous de votre temps et merci aux intervenants pour la qualité de vos présentations et de nos échanges. Ce fut un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et puis, on souhaite un joyeux anniversaire à Don Foresta, puisqu'apparemment, c'est son anniversaire. Jean-Marie a lâché cette petite info dans le chat. Joyeux anniversaire, Don. Ce n'était pas mon anniversaire à moi, mais c'était des événements. 50 ans, on pense, 40 ans depuis le premier échange par réseau, etc., etc. C'est ça. Ça a 20 ans maintenant aussi. Il ne faut peut-être pas le dire, mais autour de mai. Autour de mai. Oui. Merci à tous. Et puis, encore une fois, vous recevrez le replay pour les personnes qui étaient inscrites à ce webinaire. Vous recevrez le replay dans vos boîtes mail. Et donc, la vidéo sera diffusée sur nos réseaux sociaux. Merci encore à tous et puis une bonne soirée. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.